on sait. La découverte de cette semaine est portée sur un acteur camerounais, Libestin, qui interprète l'un des rôles principaux du feuilleton La Reine Blanche d'Ebenezer Kepombia, qui a été tourné évidemment à Douala et à l'ouest du Cameroun. Regardez. Oui, je suis Libestin Fola, acteur de cinéma. Je viens de la région de l'ouest Cameroun, plus précisément dans le département de la Mifi, Balin. Oui, mon histoire avec le cinéma, ça a commencé à l'école primaire, où déjà les soirées, on parle la passion de Jésus d'abord, c'est le premier théâtre, par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre à l'école primaire, des petites soirées. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup motivé, c'était quand je suis arrivé à Douala. Quand je suis arrivé à Douala, d'abord dans les centres, la maison des jeunes et la culture, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient dans le cinéma en principe. C'est ce qui m'a beaucoup motivé. J'étais toujours en contact avec ceux qui faisaient le cinéma. C'était ma première rencontre avec Giscard. Je crois que c'est un garçon plein de talent, parce que très calme aussi, parce que sa façon de vivre avec les gens, ça m'a intéressé. Dans La Reine Blanche, j'incarne le rôle de Wilson. Wilson, qui est un garçon qui a laissé sa femme au pays, en fait sa fiancée, et qui va en Europe pour les études. Arrivé, il tombe sur une charmante blanche. Il revient au pays et il essaye de masquer la chose. Il essaye de masquer en cachant à sa femme, à sa copine qu'il a laissée au pays, beaucoup de choses. On sait.